Bienvenue sur Live Accueil avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien et c'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous surtout et faites partie de Live Accueil. Alors, je fais cette vidéo de façon, c'est-à-dire précipitamment, parce que je fais encore cette vidéo pour Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, envoyez-lui cette vidéo-là. Envoyez-lui cette vidéo-là. Pour qu'ils prennent conscience. Johnny Pacheco, cette vidéo, je la fais pour te dire tout simplement, voici un peu comment est-ce que désormais les gens te perçoivent avec ce changement-là. C'est-à-dire ce changement en disant voulant déconstruire M. Laurent Gbagbo. Je dis, je vais faire des vidéos pour toi. Jusqu'à petit à petit, pour que tu retournes à la maison. Il y a un proverbe qui dit, un oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Ou bien, un autre proverbe dit, il arrive que les dents et la langue peuvent avoir des histoires, c'est-à-dire peuvent faire des palabres. C'est-à-dire, deux fois, la langue peut être mordue par les dents, mais la langue ne va jamais quitter la bouche, c'est-à-dire où les dents sont. Voilà comment est-ce que les traites finissent. Ou bien peut-être que ce n'est pas ce que les traites sont, mais la plupart du temps, quand tu groupes, quand tu quittes tes siens, c'est-à-dire quand tu quittes ta famille, tu quittes ton groupe pour un autre groupe, croyant qu'on va t'accepter, c'est mieux de rester avec ton groupe. Les mêmes oiseaux de même plumage volent ensemble. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. J'ai dit tout ça là parce que réellement, moi je vois un peu loin. Malgré ce que les gens sont en train de te faire croire. Regarde un peu cette vidéo que notre frère le Rastaman d'Australie a fait. Et je suis allé vérifier un peu pour voir la tendance. Parce que moi, je suis tout le temps en train de chercher. Je cherche tout le temps les solutions. Je cherche tout le temps les trucs. Il a fait une vidéo sur toi. Et je suis allé en bas de cette vidéo pour voir ce que les gens ont dit après le changement. Et donc, c'est vraiment pas méchant. Mais ça me donne un peu une idée de comment est-ce que certaines personnes pensent dans la politique dans laquelle nous sommes en Côte d'Ivoire. Et cette tendance-là reflète la réalité vraiment du terrain. On regarde la vidéo, on va regarder la vidéo d'Adams et puis je vais d'abord lire les commentaires. Si vous allez sur cette vidéo-là d'Adams, peut-être que comme peut-être qu'un déni populaire, il va l'enlever, mais je ne sais pas quoi, mais il pense pas qu'il va l'enlever. Mais voilà un peu comment est-ce que les gens pensent. Et c'est comme ça qu'il faut penser et qu'il faut approcher les choses. Ça ne sert à rien de vociférer, de parler, mais c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a une personne qui dit en bas, mais tu dois savoir que l'ennemi de mon ennemi est mon ami, même si je l'aime pas. Nous, on regarde le volte-face de JP et on en rit, c'est tout. Il y a un qui a dit, ah, Johnny, Johnny. Il y a un aussi qui a dit, vieux père, c'est les gars que tu devais aller appeler mouton malgré tous ces mensonges. Il suivait Johnny bêtement. 20-20 est proche. Nous, on encourage.
Johnny a divisé le FPI. Mais le riz couché est calé. Johnny, on va jamais l'aimer. Adams a mis félicitations. Il a mis félicitations. Ça veut dire que Adams est d'accord avec cette personne qui a fait ce commentaire-là. Il y a un qui a mis, donc, tu le déconstruis aussi, tu le déconstruis aussi. Il y a un autre qui a dit, le vieux, toi-même tu veux insulter le RDR depuis là. Il insultait le RDR. On n'a jamais laissé Ouattara pour Gbagbo. Avec tout ce qu'il a dit sur Ouattara, actuellement, le RDR joue avec eux. On les pousse à se diviser et se maintenir au pouvoir. Le vieux, ça au moins tu devais comprendre. Mais un jour, Johnny descend en Côte d'Ivoire, tu verras, comprends si on aime Johnny ou pas. Tu as compris, Johnny? Tu as compris? Partagez cette vidéo-là. Envoyez ça à Johnny. Partez la vidéo, envoyez ça à Johnny. Il y a un qui dit, on sait que c'est du bœuf. La cacophonie nous amuse tous. Adams a mis, chose qu'on appelle ça maintenant, Adams a mis like. Ça dit l'ami, félicitations. Il y a une Camille, lol, affaire de Johnny. Affaire de Johnny. Et donc, vous voyez un peu, non? Quand nous, on fait les vidéos, nous, on voit et on comprend la tendance. Malgré que Johnny pense vouloir déconstruire Gbagbo, les commentaires, on ne considère pas ça. Mais, en fait, c'est vraiment ce que le groupe pense. Quand il dit le groupe, là, c'est ce qu'il pense. Et ça, moi, j'ai fait l'expérience avec mes frères du Nord. Diviser pour mieux régner là. C'est beaucoup utilisé par les sionistes. Le sionisme, c'est diviser pour mieux régner. Et quand ils pensent comme ça, nous sommes noirs, hein? Nous sommes tous noirs, mais rien comme ils pensent. C'est-à-dire ce qui se passe au nord là, de l'Afrique là, c'est la même chose qui se passe en Côte d'Ivoire aussi. C'est-à-dire dans les régions subsahariennes. Diviser pour mieux régner. C'est tout. Ce qui se passe en Afrique. Eux, ça nous amuse. C'est pour ça que je vous dis que l'affaire de Afingessan et du FPI, là, ça peut être un montage du RHDP. J'assume ce que j'ai dit. Et donc, Johnny, ils ne vont jamais t'accepter, même si tu les défends leur mentor. Et on va regarder ce que Adams a dit. Il a sa vidéo, je vous montre. Ouais, salut, dis-moi. Attendez. Je vais mettre le live sur ma page comme ça, sur mon écran comme ça, je peux regarder vos commentaires comme ça. Ça fait du temps. Ceux qui ont fait sortir Gbagbo, ce sont des avocats. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens disent. Il y a des gens qui viennent écrire ça sur ma page ici en ce moment. Toi, tu parles de Johnny, c'est lui qui a fait sortir Gbagbo. Vous êtes fantôme. Les avocats, là, quand ils parlaient, ils ont détruit. Hein, tout ce qu'on a mis sur Gbagbo, c'est Johnny qui a payé leur salaire.
C'est Johnny qui a payé les salaires. Et vous là maintenant, vous réfléchissez à moi. Vous réfléchissez à moi. Vous pensez que c'est Facebook qui peut faire sortir quelqu'un de la haine? Si c'était ça, ça n'allait même pas être un problème. Pourquoi il va prendre un avocat? Il allait s'asseoir et puis il allait laisser les gens parler sur Facebook. Et puis il va sortir. Et puis il va sortir. Vous pensez qu'il ne s'est pas préparé? Vous savez qu'il savait. Vous pensez que lui ne savait pas ce qu'il attendait? Oh. La Côte d'Ivoire ne peut pas changer. Je sais maintenant pourquoi ça ne peut pas évoluer. Parce que vous êtes les personnes les plus faciles à tromper sur la terre. Vous n'avez pas de cerveau? Attendez, je vais vous rafraîchir la mémoire. Parce que j'ai fait une vidéo hier et puis j'ai mis sur ma page Facebook. Mais bon. Adélé Camara m'a dit il faut arrêter, il faut le laisser. Mais. Ça, c'est pas pour lui, ça, c'est pour vous. Il parle du RDR, il se parle des militants du RDR. Parce qu'il faut que vous il faut que vous il faut que vous souvenez de à qui vous parlez. Et puis, le truc qui me désole, le truc qui me désole en plus, là, c'est que même dans cette dernière vidéo-là, où il vient et puis il parle mal de Babou, là, il n'a pas dit que. Il le fait parce qu'il aime les LHTP ou bien la salle ou bien tout. Parce que c'est ce que vous croyez. Il dit lui, il est en parlant avec les gens. Donc lui, il fait ça pour s'évanger. Ça, vous savez ce que ça veut dire? Bon. C'est pas parce qu'il a. C'est pas à cause de vous. Ce que lui cherchait là, il n'a pas trouvé. La reconnaissance que lui cherchait là, il n'a pas trouvé. Ce que il voulait là. Que Bago l'appelle, Bago dit son nom, que Simon le remercie quand il sort et tout, parce que pour certaines personnes, c'est lui qui les a fait sortir. Mais en réalité, là, ceux qui ont fait sortir Bago, ce sont des avocats. Ça aussi, c'est quelque chose que les gens du. Les gens qui viennent d'écrire ça sur ma page ici en ce moment, toi tu parles de Johnny, c'est lui qui a fait sortir Bago. Le truc brut, il est fait sur mon ordinateur. Parce que. Il faut que votre tête là, il faut que je rafraîchisse votre mémoire. Voilà, il faut que je rafraîchisse votre mémoire. Et quand votre mémoire va être rafraîchie, vous allez savoir, vous allez vous souvenir hein, de ce qu'on vous a dit, ça fait 7 ans. Vous avez compris? Voilà. Ça veut dire que ce que Johnny a fait pendant 7 ans, tous les injures là, Adams a mis, il a pris toutes les vidéos. Adam a pris toutes les vidéos et il a fait une compilation. Toutes les injures là. On va voir ça dans la vidéo d'Adams. Tu vas voir. Vous avez compris? Adams a dit que si quelqu'un l'appelle mouton là, il va jamais aller s'asseoir avec lui. Et si Adams dit ça, c'est que c'est comme ça que le groupe pense. Johnny, tu as compris? C'est comme ça que eux tous ils pensent. Ils vont nous diviser. Mais ils ne vont jamais t'aimer. On va voir ce qu'Adam ça fait. On va régler ça. Un instant. Dépêche-toi. Vraiment, ce qu'on a dit, c'est mon ordinateur, moi, il règle les choses rapidement dessus. Voilà. C'est vrai. Je t'avais dit que les gens allaient prendre tes vidéos aussi pour te déconstruire. C'est comme si c'était une prophétie que j'avais faite. Adam, ça a déjà fait ça. Et dans cette vidéo, on va voir qu'Adam, ça fait. Je t'ai dit qu'ils allaient prendre tes vidéos aussi pour te déconstruire. Tout ce que tu as fait là, ils vont compiler ça et puis ils vont t'avoir aussi. C'est comme ça qu'ils vont t'avoir. Regarde. La vidéo qui l'a rendu célèbre ou bien? Parce que c'est la mère de tout le monde, tous les éléphants, n'est-ce pas?
Et donc, Johnny, t'as vu ton passé? Je t'avais dit quoi? J'avais fait une vidéo que je vais déconstruire Gbagbo en je ne sais pas combien. Je t'ai pas dit qu'il y a des gens qui comprennent ton passé pour te rattraper. Ton passé, sache que ton passé va te rattraper. Ils t'attendent au tournant. Et puis en plus de cela, tu nous as quittés. Sache que tu seras mangé. Ça, c'est sûr. Ce que tu as fait là. On dit pourquoi je n'ai pas fait vidéo. Moi, je ne savais pas que tu avais fait mercant comme ça. Au lieu que nous, on va te protéger, tu dois te mettre dans la bouche, dans la gueule du loup. Sache que tu seras dévoré. Tôt ou tard, il t'attend au tournant. Si tu es malin, là, reviens à la maison. Ça sera bien pour toi. Ceux qui veulent aller voir cette vidéo, allez voir. C'est sûr. Sa vidéo, c'est Adams qui a fait le Rastaman de l'Australie. Comme il est bon en ordinateur, il est bon en technologie, il a recensé tous les mercons. Et il a rappelé à son audience le passé. Parce qu'il a eu un changement vraiment. Et un changement. Maintenant, puisque tu es déconseillé, monsieur Laurent Gbagbo, eux, ça les plaît parce qu'ils veulent que tu divises. Et ça les amuse. Donc c'est comme ça que nous qui sommes réfléchis là, on anticipe ça en même temps. Mais sache que ils t'attendent au tournant. Même s'il va en Côte d'Ivoire là, tout ce que tu as dit comme MC, MC, MC là, tu as payé ça. Et puis tu n'auras pas de défense parce que tu nous as quittés. Donc tu seras livré à toi-même. C'est ça la vérité. It's not a game. You're gonna feel it for real. Tu vas sentir ça pour de vrai. Donc, ressaisis-toi dès qu'il est temps. C'était votre Lisa.